La prévention médicale, vous la connaissez à travers le site, mais bien sûr, nous allons bien au-delà de juste ce site, qui d'ailleurs est très riche en son contenu. Nous avons aussi une démarche d'accompagnement des professionnels de santé autour de la gestion des risques en soins. Ainsi, nous faisons appel à des professionnels de santé de haut niveau, qui sont des experts en matière de gestion des risques, mais aussi des professionnels de santé. Nous proposons des formations actions, c'est-à-dire que ce n'est pas que du théorique, mais c'est aussi la mise en pratique, pour améliorer le travail en équipe, pour agir sur les facteurs humains qui sont souvent à l'origine des erreurs ou de dysfonctionnements. Et nous utilisons aussi des méthodes modernes de formation, telles que par exemple les conférences virtuelles à travers les grands angles, mais aussi la simulation en santé ou le e-learning. À ce propos, nous avons développé un e-learning autour de la déclaration et du traitement des événements indésirables graves, qui permet en particulier de se familiariser et de s'entraîner autour des thématiques du portail national de déclaration qui a été mis en place il y a, en 2016. Nous réalisons aussi des formations in situ, à la carte. Donc après avoir étudié votre besoin et votre demande, évidemment sur le thème de la sécurité des soins, nous pouvons réaliser ces formations, donc vraiment adaptées à votre besoin, à destination aussi bien des professionnels de santé médicaux que paramédicaux ou d'autres professionnels de votre établissement ou de votre cabinet si vous travaillez en cabinet. Nous avons aussi la possibilité de vous aider dans votre diagnostic sur le niveau de risque de vos activités par la réalisation d'audits ou de visites de risque. Et enfin, nous intervenons aussi bien en établissement que dans un cabinet médical ou une maison de santé. Donc vraiment, c'est ouvert à toutes les populations de professionnels de santé, qu'ils soient en structure ou bien qu'ils soient en exercice libéral.